Le cancer du côlon est le deuxième cancer en termes de fréquence chez l'homme et chez la femme au Luxembourg. Chaque patient réagit différemment au traitement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul et unique traitement pour ce type de cancer. D'où l'intérêt de collaborer étroitement avec les chercheurs afin de donner de l'espoir aux patients et notamment à ceux qui ne répondent pas ou mal au traitement classique. Grâce à des équipements de pointe, comme un distributeur de cellules robotisées, nous pouvons appliquer divers médicaments sur les cellules cancéreuses provenant de la tumeur même du patient après avoir amplifié les cellules dans un incubateur au laboratoire. Nous pouvons ainsi évaluer le pourcentage de cellules cancéreuses éliminées par chacun des médicaments. Ce criblage nous permet de déterminer quel médicament serait le plus efficace pour ce patient. Dès le départ, nous étions très enthousiastes pour pouvoir participer dans le programme Personalized Functional Profiling. Ce programme nous a donné la possibilité de réaliser ensemble avec le LIH l'installation d'un laboratoire de recherche au sein de la Cité Clinique, ce qui était seulement possible grâce au soutien généreux de la Fondation des Hôpitaux Robert Schumann. Cette technologie nous permet d'analyser lequel des nombreux médicaments anticancéreux disponibles et autorisés par l'Agence européenne des médicaments est le plus efficace chez un patient donné. Nous établissons un rapport de nos résultats que nous soumettons aux médecins comme Dr Faber et Dr Berman. Nous allons ensuite évaluer et discuter les résultats fournis par le Luxembourg Institute of Health afin de proposer à chaque patient un traitement réellement personnalisé. La recherche avance, votre traitement aussi.